Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette assez simple, mais je sais qu'elle n'est pas facile à trouver sur internet, il y a très peu d'explications. Pourtant, c'est un basique, un classique maintenant. Les pralines roses, donc en fait, c'est des noisettes et des amandes enrobées de sucre, colorées en rose et qu'on peut utiliser dans les brioches. Allez, c'est parti! Pour ça, vous aurez besoin d'eau, de sucre semoule, d'amandes sans la peau, de noisettes sans la peau et de colorant rouge. Alors, je vous explique, c'est très simple. En fait, on va enrober les fruits secs de sucre. Donc d'abord, on va les faire torréfier légèrement et pour qu'ils soient chauds un petit peu quand on les incorpore dans le sirop. Et cette quantité, c'est pour faire 3 sirops différents. En fait, on va les baigner dans 3 sirops différents. Donc là, je commence dans une casserole pas trop grande. Je mets un tiers de mon eau et un tiers de mon sucre. Je mets à chauffer, donc je mets pas trop fort pour que le sucre fonde bien avant que le sirop commence à bouillir, et on va cuire à 125 degrés. Donc là, j'ai besoin de mon thermomètre que je garde à côté. En attendant, je mets mes noisettes et mes amandes sur une plaque et j'enfourne 15 minutes à peu près à 150 degrés. Le but, c'est que ça prenne pas trop de couleur, c'est que ça torréfie juste légèrement. Et si jamais vous avez des noisettes ou des amandes avec la peau, vous pouvez torréfier et après les frotter entre vos mains et vous allez enlever la peau des amandes et des noisettes. Alors, donc là, je vais diluer mon colorant en poudre avec de l'eau. Hop. Vous en mettez pas trop, mais c'est histoire de le diluer. Donc là, vous faites attention, le colorant s'attache énormément, c'est très concentré, donc on n'en met pas partout. Je mélange tranquillement ma petite casserole là pour être sûr que le sucre fonde bien. Hop, parfait. Alors là, je suis à 125 degrés, donc j'arrête. Hop, je mets mon colorant. J'ajoute mes amandes et mes noisettes. Je fais attention de ne pas me brûler. Je rallume un petit peu ma plaque, pas trop fort. Et là, je mélange pour enrober mes amandes et mes noisettes. Et vous allez voir, ça va masser tout seul. C'est magique. Et là, ça masse, c'est exactement ce qu'on veut pour enrober les amandes et les noisettes et qu'elles se détachent les unes des autres. Hop, parfait. Et là, je cuis pas trop parce que je veux pas que ça reprenne en caramel. Hop, je veux juste que ça enrobe. Et là, je viens sur ma plaque. Voilà, j'étale un petit peu. Là, je veux que ça refroidisse tranquillement. Et vous verrez que, en fait, les amandes et les noisettes, elles se sont désolidarisées. C'est pas comme un praliné. Grâce au massage du sucre, justement. Et donc là, on va attendre 10 minutes que ça refroidisse tranquillement. Et là, votre casserole, vous voyez, elle est pleine de sucre. Donc tout simplement, vous remettez de l'eau à hauteur, vous faites chauffer. Et vous allez voir, votre casserole, elle va être comme neuve. Et voilà! C'est comme neuf, c'est tout propre, c'est beau, c'est magnifique, il n'y avait rien à faire. Alors, donc je continue. Je mets un autre tiers d'eau. Hop. Mon autre tiers de sucre. Je remets à chauffer ici, sur puissance moyenne. Et je remets un petit peu de colorant à diluer avec de l'eau. Toujours pareil. Donc ça adhérera mieux hein, si vos pralines sont déjà un petit peu froides quand vous faites le deuxième sirop. Voilà, je dis ça pour les impatients. Je sais ce que c'est, hein, je suis team impatiente, donc je vous comprends. Mais la pâtisserie, c'est de la patience, voilà. Ok, parfait. Hop là. Alors, trêve de plaisanterie,
petit colorant comme tout à l'heure. Hop là! C'est parti! On évite de s'en mettre plein les doigts et c'est parti pour un deuxième tour. Allez les filles, hop là! Magnifique! Bah, il commence à plus y avoir beaucoup de place dans cette casserole. Je pense qu'on passera sur la grande après. Et là, pareil, on laisse refroidir. On nettoie bien la casserole pour qu'elle soit bien propre et repartir sur un sirop nickel. Et on attend 10 bonnes minutes. Ok, parfait. Alors là, je lance mon troisième sirop. Hop. Avec la fin de l'eau et le sucre. Et je vais passer au tamis. Mes pralines, parce que vous voyez, il y a un petit sucre rose qui s'est détaché, une petite poudre rose, c'est normal, hein, c'est quand ça a amassé. Et donc ce sucre, bah, je peux le garder pour faire des petits décors, décors à l'assiette, pour colorer des gâteaux, des crêpes, faire un petit caramel un peu coloré, voilà. Vous pouvez le garder pour ce que vous voulez. Hop, moi je récupère juste les pralines. Et donc, troisième fois pour le colorant. Je dilue toujours avec de l'eau froide. Et je mélange bien. Donc là, j'ai prévu ma deuxième casserole qui est un petit peu plus grande parce que tout à l'heure, je galérais un petit peu à mélanger étant donné que ça prend du volume, étant donné que c'est enrobé de sucre. Donc je pense que je transvaserai dans ma plus grande casserole, mais je reste dans la petite pour le sucre parce que sinon, j'arrive pas à prendre la température. Donc là, j'ai bien dit 125 degrés. On fait toujours attention, hein, les thermomètres à sonde sur les inductions, c'est un peu la galère parce que l'induction a tendance à dérégler un petit peu le thermomètre. Donc, il ne faut surtout pas que la sonde touche le fond de la casserole. Ok, c'est bon, 125. J'éteins, je rajoute mon colorant. Vous commencez à savoir maintenant. Je rajoute mes pralines. Je mélange un petit peu. Vous voyez là, ça commence à être touchy l'histoire. Je vais directement aller dans la grande casserole. Hop là. Et là, je mélange, hop, comme les deux autres fois, sur feu moyen. Donc les pralines, c'est une spécialité en fait de Lyon. Il y a la maison Pralu qui fait les mythiques pralulines, les brioches à la praline que tout le monde connaît. Chez mes grands-parents, c'est le goûter par excellence, quoi. Donc big up à mes grands-parents, big up à mes cousins, mes cousines, mon frère et ma sœur. Les pralines, c'est la vie. Il faut bien que ça masse. Vous verrez, ça blanchit un petit peu. C'est normal, c'est exactement ce qu'on veut. On veut pas que ça recaramélise par contre. On veut pas que ça refonde en fait. Et ben j'ai chaud les gars. Ça se mérite les pralines. Voilà, là ça commence à être bien sec. Ok, parfait. Magnifique. Oh là là, c'est fête quand je vois ça. Ça me met en joie. C'est vrai que j'utilise très rarement des colorants, mais bon. Là, j'avoue, les petites pralines roses comme ça, ça me met en joie. Ça me rappelle la famille, les bons moments, le goûter, tout ça. On va les faire sécher au four à 75 degrés pendant à peu près 45 minutes. Ça, c'est juste pour consolider un petit peu la coque de sucre, les rendre un peu plus craquantes.
Et après, on les laissera refroidir pour utilisation que vous souhaitez. Et voilà les amis. Oh là là. Maintenant, vous savez faire les pralines roses maison. Vous avez vu que c'était pas hyper compliqué. Faut juste être un petit peu patient. Je sais que vous êtes nombreux à aimer ça. Et je sais surtout que vous êtes nombreux à aimer la brioche aux pralines. Donc, si vous me mettez plein de pouces bleus et plein de commentaires sous cette vidéo, je vous promets une petite recette de brioche aux pralines des familles. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut !